Değerli misafirlerimiz, şimdi soru cevap bölümüne geçiyoruz. Bu sırada bazı çıkan misafirler olabilir. Sizden rica etsem biraz sessiz çıkarsanız ve yoğun ilgiden ötürü de çok teşekkür ederek girişteki kulaklık teslimlerinde de biraz sabırlı olmanızı rica ediyoruz. Orada bir sıra olabilir. Şimdi soru cevap bölümümüz olacak. 5 tane soru hakkımız var. Ortada görevli arkadaşlarımız mevcut. Ben kendilerini yönlendireceğim. İlk sorumuz Yaşar hocamızdan, Yaşar Maralyalı'ya veriyorum. Monsieur Dominique Perrault eserlerini bizzat kendi tanıttığı için ben şahsen çok etkilendim. Çok başarılı eserleri var. Bir soru yöneltmek istiyorum kendisine. Doğayla mimariyi tam birbirinden ayırmayan, bir geçirgenlik sağlayan malzeme olarak bir çelik tül perde kullanıyor. Gerçekten de çok başarılı olmuş ve bu çelik perdenin kullanılmasıyla da insan duygularına hitap eden görünümler ortaya çıkıyor. Çok çok başarılı. Sorum şu. Bu mal sahiplerini bu malzeme için, yani bunun masrafı, maliyeti için nasıl ikna ediyor? Bu da tabii bir başarı. Birinci sorum bu. İkinci sorum da Tenerife'de yaptığı yapay demeyelim, doğanın eski haline getirmek için kullandığı çelik tül perde gerçekten çok başarılı. O tül perde nasıl, yani yerinde duruyor, yani onun bir taşıyıcısı var mı yok mu, çok şeffaf görünüyor. Onu da izah ederse teşekkür ederim. Alors, donc, il faut arriver à convaincre le client. Parce que le client, c'est quelqu'un qui a toujours peur. Enfin, la plupart des clients ont peur. Il y a certains clients qui n'ont pas peur. Ça, c'est les clients que l'on veut rencontrer, que tout architecte rêve de rencontrer. C'est-à-dire, le client qui n'a pas peur, c'est le meilleur client de l'architecte. Mais le client qui a peur, comme tous les clients presque, eh bien il faut lui expliquer, mais il n'y a pas de problème avec le tissu métallique. C'est comme un vêtement. Si ça ne vous plaît pas, on l'enlève. Et à ce moment-là, la discussion est un petit peu différente. Parce qu'il comprend qu'il ne peut pas raisonner comme avec du béton. Et il est obligé de faire, comment dirais-je, un bout de route avec vous en termes de réflexion. Et ça crée des échanges qui sont très intéressants avec le client. Parce que c'est un matériau qu'il ne connaît pas. Alors il imagine que le matériau va rouiller. Évidemment, le métal, pour tout le monde, ça rouille. Il imagine que, comme c'est du métal, c'est froid. Bon. Ensuite, il imagine que c'est du métal, ça coupe. On se fait mal. Bon. Ensuite, il dit, oh là, mais ça va siffler, ça va faire du bruit. Et puis, après, ouh, mais ça, est-ce que ça va vraiment tenir, etc. etc. Et donc, si on reste dans ce dialogue qui est un dialogue, comment dirais-je, improductif, évidemment, ça ne marche pas. Mais si on propose au client de toucher, de vivre, de sentir ce matériau et de travailler ensemble à la mise au point de ce matériau pour son bâtiment, qui est son bâtiment à lui, avec son propre tissu métallique, avec sa propre couture, comme lorsqu'on va chez un tailleur ou dans un magasin pour acheter
sa robe, son costume à soi, à ce moment-là, l'histoire change et c'est tout à fait possible. Et il y a même des clients qui trouvent que vraiment, on peut en mettre beaucoup, beaucoup. À Madrid, nous avons installé 60 000, je crois, mètres carrés de tissu métallique de différentes qualités. Donc, c'est la relation entre le client et l'architecte est une relation qui doit être une relation d'échange, de dialogue, de discussion, mais surtout une relation de projet commun. Il faut arriver à ce que le client partage le projet de l'architecte et que l'architecte partage aussi le projet de son client. Ça, c'est le... Başka sorusu olan var mı? 5 soru hakkımız var, değerlendirebiliriz. Arka tarafta hanımefendiyi uzatabilir miyiz lütfen? Mikrofon geliyor. Sorunuzdan önce kendinizi de tanıtırsanız lütfen. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İsmim Şeyma Nur Çelik. Buradayım. Ha, okey. Sunumunuz için teşekkür ediyorum. Sunumunuzun başından beri dinliyorum ve not alıyorum söyledikleriniz bazı şeyler. Doğayla ilişki kurmak istiyorsunuz, doğayla daha yakın olmak istiyorsunuz. Sunumunuzun sonunda da belirttiğiniz bir cümle var, çevre çok da umurumda değil dediniz. Sadece malzemeleri, metali, toprağı kullanmak, onları gerektiği yerde gerektiği gibi kullanmak benim için önemli diye belirttiniz. Benim aslında merak ettiğim şey şu, volkanik dağların eteğinde mevcut olan seksi plajı daha seksi hale getirmek için sahradan getirdiğiniz kumlar sizce doğayla nasıl bir ilişki kuruyor? Bu konuda beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Alors, d'abord, je suis tout à fait innocent. Je ne suis pas coupable. Ce n'est pas moi qui ai ramené le sable. Le sable est arrivé dans les années 70 pour construire cette plage. Moi, je suis arrivé après les années 70, puisque on a travaillé en 2002-2003 sur ce projet. Donc le sable était déjà là. La question, c'est est-ce que l'on considère que cette plage artificielle fait partie de notre environnement naturel? C'est ça la question. Est-ce que, parce que je m'intéresse à l'environnement, je vais détruire la plage, parce que c'est ce que je devrais faire, pour retrouver la nature? Je pense que c'est une idée qui n'existe plus. On peut trouver que c'est triste, on peut trouver que c'est dommage, etc. C'est une idée qui n'existe plus parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on connaît toute la planète. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation intellectuelle, culturelle, qui est totalement nouvelle. Nous connaissons toute la planète. Il n'y a pas d'endroit à découvrir sur la Terre. Nous connaissons tous les endroits de la Terre. C'est-à-dire que nous habitons un monde fini. Pour l'homme, c'est une vision du monde totalement nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit qu'on peut encore découvrir. Il n'y a pas une expédition que l'on peut lancer. On connaît toute la planète. Donc, se pose la question de la nature, mais pas au sens du respect d'un arbre, etc. Au sens de la globalité de ce qu'est la nature. Sommes-nous dans un monde naturel? Moi, je dis que nous sommes dans une nature artificielle. Il y a des traces de nature naturelle, et puis il y a des natures que l'on construit. Et je dirais même que je suis plus écologiste que les écologistes, puisque je construis
des paysages plutôt que de construire des bâtiments. C'est-à-dire que le fait de construire de la nature artificielle, de mon point de vue, c'est ajouter une qualité naturelle à la nature de notre planète. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour l'architecture et pour la ville. Car la question de nos villes, c'est comment arriver avec la population qui ne fait qu'augmenter dans nos villes, dans nos métropoles, nos mégalopoles, comment arriver à vivre dans des espaces qui soient des espaces dans lesquels on puisse, comment dirais-je, se développer de façon à peu près normale, sans trop de pollution, sans trop de bruit, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose, c'est cette dimension, cette question sur la nature et sur la situation du monde fini est une vraie question pour les architectes et, je dirais, pour l'architecture. Ça, c'est un aspect. L'autre approche, c'est la question du développement durable. Aujourd'hui, il y a un business extraordinaire avec le développement durable et en particulier chez les ingénieurs. Les ingénieurs vous font payer les études sur le développement durable, sur l'écologie, sur les capteurs solaires, etc. Très bien. Mais il y a des situations qui doivent être créées à l'origine. Par exemple, nous avons développé un grand projet d'urbanisme dans la ville de Sofia, en Bulgarie. C'est un projet, une commande gouvernementale, un grand concours. Ok. C'est une caserne russe. Les Russes sont partis, la caserne est restée. Les Russes, l'idée, c'est que le gouvernement de Sofia voulait organiser un deuxième centre, un nouveau centre de la ville, entre le centre historique et l'aéroport. Donc les Russes, lorsqu'ils ont construit leur caserne, il y avait du relief, il y avait une rivière, ils ont tout bouché, ils ont tout mis à plat, ils ont construit la caserne, et voilà. Aujourd'hui, ciao. Il n'y a plus de Russes, il n'y a plus personne. Mais il y a la caserne. Donc, le gouvernement a proposé de construire un espèce de business district avec une relation de 1 habitant pour 10 emplois. Bon. Donc, on a travaillé avec les bureaux, les logements, les commerces, musées, etc. Bon. On a fait un grand parc. Et lorsqu'on a mesuré la qualité du développement, enfin la qualité écologique, si je puis dire, de ce quartier, on est arrivé à une qualité gold, si on prend le LEED américain, la norme américaine. Mais on ne pouvait pas aller plus loin. C'est-à-dire que les modèles mathématiques tournaient, mais ce n'est pas parce qu'on mettait encore 3 capteurs solaires au-dessus des capteurs solaires, 25 éoliennes de plus, etc., que l'on améliorait la qualité environnementale du quartier. Parce que on avait un habitant, pour 10 emplois. Et donc, il fallait modifier le programme social. Et lorsqu'on diminue légèrement le nombre de mètres carrés de bureaux, et que l'on augmente le nombre d'habitants, donc de logements, et que l'on arrive, par exemple, à 1 habitant pour 2 emplois, à ce moment-là, on crée quelque chose qui peut se définir très simplement, c'est-à-dire un quartier qui vit le jour, parce qu'il a des bureaux, mais qui vit la nuit, parce qu'il a des logements. Et à ce moment-là, on peut mettre en place un cycle complet de développement durable. Et on peut avoir effectivement une performance platinium au-dessus. Ce que je cherche à vous dire, c'est que ce développement durable, cette positionnement par rapport à l'écologie, etc., elle passe aussi par des positions politiques et sociales. C'est-à-dire qu'il y a dans la diversité, la mixité,
ce foisonnement entre l'architecture, la nature, les différentes, je dirais, couches sociales, il y a une richesse urbaine qu'il faut doser, régler, préciser, contrôler, mais qui est la vraie nature de la ville durable. Ensuite, on peut améliorer avec les capteurs solaires, avec les éoliennes, etc. Mais ça ne pourra être que mieux. Mais si on ne commence pas par définir une diversité, une mixité sociale dans les quartiers des villes, il n'y a pas de possibilité pour obtenir une ville écologique, une ville liée au développement durable et une ville du futur. Merci. Şurada alacağım. O zaman şöyle yapalım. Bu son iki sorumuz olacak. Zamanımız biraz azalıyor. Hatta bayağı bir doldu. Neslihan Hanım bir saniye. Önce buradan alacağız. Ondan sonra en son o beyefendi sorusunu soracak. Merhaba. Belki Sulu oldu. Buradayım. Merhaba. Aslında kısmen cevapladınız ama şöyle bir şey sormak istiyordum. Bu müdahil olmanın yani müdahale etmenin yapaya olsun doğaya olsun sizin inşa ettikleriniz anlamında sınırı ne? Yani çok majestik kentsel hareketler var şeyde projelerde. Yani burada durmalıyım artık dediğiniz bir yapmama noktası var mı? Evet, mesela La question de construire ou de ne pas construire, si l'on peut dire, c'est vraiment de la responsabilité de l'architecte. C'est-à-dire, l'architecte, dans ce monde commercial, dit toujours oui. Il faut qu'il apprenne à dire non. Mais pas dire non, je ne vais pas construire. Mais non, je vais construire autrement. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument vital pour les architectes. Parce que les compagnies de construction, les sociétés de construction, peuvent très bien engager des architectes qui vont consulter demain sur Internet les projets de Dominique Perrault, qui vont les copier, etc. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'architecte qui dessine est un architecte infirme, incomplet. L'architecte n'est plus quelqu'un qui dessine. C'est quelqu'un qui met en place des dispositifs de transformation des lieux, d'une ville ou d'un bâtiment existant. C'est-à-dire que l'architecte, par définition, doit transformer. C'est-à-dire qu'on lui donne un contexte et il va, grâce à un programme, à un budget, transformer ce contexte en un autre contexte. Ensuite, il faut dessiner, il faut construire, etc. Il faut faire comme d'habitude. Mais ça commence après. C'est-à-dire qu'il y a une position vraiment esthétique, éthique, intellectuelle de l'architecte par rapport à ce qu'il va faire, comment il va transformer le lieu, est-ce qu'il va le transformer, est-ce qu'il ne va pas le transformer, est-ce qu'il va rendre présent le programme ou au contraire l'organiser pour qu'il soit, je dirais, en disparition par rapport à une situation existante. Et c'est tout l'art de l'architecte qui devient quelqu'un qui est beaucoup plus géographe qu'architecte. Teşekkürler ve son sorumuz lütfen. This will be our last question. Bonsoir, bienvenue à Istanbul. Je m'appelle Ali Dostoğlu, je suis architecte aussi. Voici ma question. Je pense que l'homme n'est plus l'homme du siècle précédent, l'homme est changé. À cause de la technologie qu'il utilise dans sa vie quotidienne, on peut même dire qu'il est plus artificiel que naturel.
Donc, comment pourriez-vous considérer votre architecture dans ce contexte ou plutôt à l'échelle humaine? Oui, enfin, l'homme, enfin, le XXe siècle, c'est quand même un des siècles les pires de l'histoire de l'humanité. Enfin, le nombre de massacres, de désastres, c'est quand même un des siècles les plus horribles de l'histoire de l'humanité. C'est le siècle où on a le plus construit la planète depuis 2000 ans. Donc effectivement, l'homme du 21e siècle est un homme qui a un héritage très lourd à porter et à gérer. Et la question, c'est est-ce que l'architecture, et pour moi, est-ce que l'architecture peut aider justement, à ce que cet homme qui vit sur une planète qui est finie, achevée, complète, est-ce que cet homme va pouvoir imaginer des formes architecturales, des lieux architecturaux qui vont lui permettre de retrouver cette capacité de vivre ensemble, d'accepter l'autre et de transformer, ou plus exactement, de protéger ce qui nous reste d'humanité et de nature. Donc c'est toute la question. Nous sommes quand même dans une situation absolument incroyable, c'est-à-dire que nous avons quand même à portée de la main la capacité de nous détruire définitivement. Remarquez, comme les prix Nobel viennent de découvrir que l'univers continue à grandir, donc il y a peut-être un espoir ailleurs. Ok. Yaşar Bey'in ikinci sorusu ile ilgili olarak bir yanıtı varmış beklediği. Stefan şimdi Dominik'i açıklayacak. O sorusunun tekrar yanıtını dinleyeceğiz kendisinden. Pardon. Je donne une... Oui, ok. Juste un complément de réponse pour expliquer comment la... C'est très simple. C'est-à-dire que l'hôtel crée la structure de la colline et la maille fonctionne comme un rideau. Et donc, on accroche la maille des balcons jusqu'au sol, ou du toit, plus exactement, jusqu'au sol. Et ce qui est très intéressant avec un tissu, c'est que si on veut avoir un tissu plat, c'est presque impossible. Il faut tirer sur le tissu, mais avec des efforts énormes. Alors que si on accepte que le tissu tombe de façon presque naturelle, à ce moment-là, on l'accroche en haut de la colline, dans la partie, donc le haut de l'hôtel, si je puis dire, et puis on va simplement, avec des câbles, le soutenir pour que le vent... comme une voile de bateau n'arrache pas le tissu et on va le laisser descendre et l'accrocher au sol. Il ne faut pas aller contre le tissu. Merci beaucoup Dominique. Merci. Dominik Pero'ya ve siz değerli katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz bu yoğun ilginizden ve bu saatte yine aramızda olduğunuzdan ötürü. Önümüzdeki dönemde sanıyorum birçoğunuz konferanslarımızdan haberdarsınız ama küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta salı günü dünyaca ünlü İngiliz mühendis Tim McFarlane burada olacak. Ve yine Ekim ayının 27'sinde İspanyol, daha doğrusu İtalyan asıllı İspanyol mimar Benedetta Taglioboe. Kasım'da da Farşit Musavi'yi bekliyoruz. Yine burada konferans verecekler bu dünyaca ünlü ve önemli mimarlar. yemetkinlik.com adresinden takip edebilirsiniz ve konferans izlenimlerini de duyuru sponsorlarımızın web sitesinden de izleyebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz ve küçük bir ikramımız var. Sizi ikram alanında da ağırlamak isteriz. Hoşçakalın.